Oh, c'est l'heure de la tétée. Oh, oh, il manque ça. Voilà, le gratin est prêt à aller au four. Je sais pas combien de jours, franchement. À chaque fois que je commence un vlog et j'oublie de continuer. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais me connecter et pendant que je vais lire le Coran, Ahmed il va faire un magazine. Le petit Salem avec Maria Merania. Avec Haloun. Je me connecte et on se retrouve. Et on arrive au magazine numéro 11. Les 4 secrets des dauphins. Vous avez été nombreuses à me demander le nombre de pages qu'il y a dans le magazine, il y a 3 pages. Et justement je trouve que c'est bien parce qu'en fait c'est pas trop long. Vous voyez, ça prend quand même un petit moment parce que nous en général quand on fait, on pose des questions, on rajoute des petites choses. Mais je pense que 3 pages c'est déjà vraiment pas mal parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dans les 3 pages. Ahmed, je te laisse comme ça, je vais m'occuper de Haloun. J'ai toujours le code promo qui vous donne droit à 20€ de réduction, je vous mets ça en barre d'informations. Et je file chercher Haloun. Regardez bien comment ça s'écrit, dauphin. PH, dauphin. PH, c'est le son, on l'avait vu. Oh, je savais pas que vous voyez tout en bas. Pas toutes les couleurs. D'accord. Il ne sait pas distinguer du rouge, du vert, c'est pas, il voit que tout. Non, regardez. Nous, on est en dessous, est-ce qu'il peut pas? Et le Japon, c'est la faute. Shinkansen, on a pris le train et on est parti à Kyoto. Vous vous souvenez à Kyoto, côté gauche et ensuite on enlève le côté droit. Ça c'est cool parce que du coup moi ça me laisse un petit moment. Sauf qu'habituellement Haloun il dort mais là il est en pleine forme, on va chercher Haloun. Allez, descends. Hop. Hop. Là j'en profite pour lui donner une petite tétée et... faire ma petite lecture du jour. Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, oui. Quand tu cuisines les gâteaux, on peut recopier. La recette. Ah, oh, cooking book, super. C'est vraiment une bonne idée, les filles. Cooking book. Donc, il termine de manger. Voilà, il jette tout par terre. Super. Donc, on va passer un petit coup. Ok, on se retrouve dans la cuisine. Voilà. Je suis en train de préparer des donuts. C'est la première fois, donc du coup, je n'ai pas filmé la recette. Si la recette, s'ils sont bons, bah, je vous promets, je vous la filmerai. Mais là, c'est vraiment un test. Donc, en général, quand je teste, surtout que je trafique toujours les recettes, j'arrive jamais à suivre une recette à la lettre. Donc, je vais faire les donuts et je vous tiens au courant. Si c'est bon, je vous filmerai. Donc là, j'ai terminé la cuisson des donuts. Alors ce que je fais à chaque fois, j'aime bien expérimenter, donc du coup j'ai fait une cuisson à l'huile. J'ai aussi essayé la cuisson au four pour voir ce que ça va donner au niveau du goût et pour voir, bah écoutez, c'est vrai que c'est beaucoup plus healthy de le faire au four, donc on verra ce que ça va donner. On se retrouve dans ma chambre cette fois-ci. On va faire un peu, c'est pas du rangement parce que c'est déjà rangé, on va peaufiner on va dire le rangement. Oh, j'ai ici des paniers qui viennent de chez Muji, c'est japonais, donc j'ai 2 tailles, j'ai des grands et un tout petit peu plus petit. Et alors ce que je vais faire c'est que je vais venir organiser, hop là, vous voyez c'est déjà organisé, hein. C'est déjà organisé, rangé, mais en fait voilà, je voulais des paniers pour mettre au-dessus ici sur la planche et je voulais aussi des paniers pour mettre là parce que vous voyez que j'ai un panier gris, un panier, donc du coup je vais en fait, j'ai envie d'avoir voilà les mêmes paniers partout. Voilà, on va organiser ça. Allahu Akbar.
Tu sais, quand je lui dis maman va faire Allahu Akbar, il va me chercher le tapis. Coucou, bah écoutez, on arrive à la fin de la journée, il est déjà 20h19, on a déjà ftour, on a prié le maghrib, le Haroun est en train de dormir, donc là je vais en profiter pour terminer donc la lecture du Coran du jour. Je vais ensuite aller sur Instagram pour vous faire la lecture de 1 ou 2 versets, 3 versets maximum, c'est ce que je fais donc tous les soirs. Et ensuite, bah écoutez, je vais monter, j'ai plein de trucs encore à terminer. Je dois répondre à des emails notamment. Et comme je vous disais, le problème avec les vlogs, c'est que je commence à vloguer, je vous assure que j'oublie la caméra. Et le lendemain, je me dis, mince, mais j'ai commencé à vloguer. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.